Après le moratoire décrété par le Premier ministre et avant eh bien, la manifestation qui est maintenue pour samedi, nous recevons Fabien Roussel, le nouveau secrétaire national du Parti Communiste, député du Nord, avec qui évidemment on va parler eh bien, de la crise sociale qui secoue notre pays. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour. Bienvenue dans les studios. Euh, nouveau d'ailleurs, hein, secrétaire national du Parti communiste. Euh, pourquoi la suspension de, 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 des taxes, les augmentations de taxes sur les carburants ne calment pas les esprits D'abord parce que c'est un peu tard et c'est un peu tout court. Euh, annuler des taxes qui doivent. Trop être peu trop, trop tard, c'est ça Trop peu trop tard. On est beaucoup à le dire, d'ailleurs. Mmh. Euh, c'est pour annuler des taxes qui auraient dû intervenir au 1er janvier. Prochain. Ça ne va rien. Euh, données de sonnons et de trébuchants dans l'assiette des Français de ceux qui travaillent. Oui, mais des alors, C'était pas ça le sujet C'était l'annulation des taxes. Et, oui, mais justement. Enfin, les augmentations. Donc ça ne va pas assez loin. Il faut les annuler, mais annuler celles qui sont intervenues en début d'année, qui ont déjà elles beaucoup euh, taxé le pouvoir d'achat des Français. Lesquelles les taxes sur la taxe carbone, sur, sur l'essence, euh, elles ont déjà commencé à augmenter en début d'année. le prix des, du baril est en train de baisser, là, en ce moment. Hein. Oui, d'accord. Considérablement, oui. à oui, bah, la pompe, ça ne baisse pas aussi vite que le prix du baril. Hein. Euh, le diesel, chez moi, il est encore à 1,40 euh, le litre. Fabien Roussel, le Parti communiste et vous-même, vous appelez à manifester samedi Tout dépend de ce que le ministre, le Premier ministre, va annoncer cet après-midi. Si. Il ne bouge il pas. Il va faire l'explication de texte. Cette ouais, mais semaine. si n'annonce pas plus que ce qu'il a annoncé hier, eh bien, euh, c'est dommage. Mais il faudra continuer à se mobiliser de manière pacifique, mais de manière ferme et déterminée pour que les salaires augmentent, pour que les pensions augmentent, pour que l'on redonne des moyens à notre service public. Oui, mais vous savez, que ça se transforme souvent en manifestation de violence. Est-ce que n'est pas irresponsable de la part d'un élu de la nation d'appeler à manifester quand on sait que ça se dégénère à chaque fois. Oui, mais alors si à chaque fois on agite le grelot euh, des violences, euh, on va répondre par euh, le sécuritaire. Ces violences qui la sont faites réponse, pas uniquement de d'éléments la, hein. la réponse à la crise grave qui est politique qui est une crise aussi sociale, la réponse ne peut être que sociale. Il faut redonner du pouvoir d'achat aux Français, ils ne demandent qu'une chose, c'est euh, de les respecter et d'avoir une vie digne, d'avoir une vie digne. En mais pas plus que depuis le début. Je sens une colère profonde, sincère, une exaspération totale de gens qui travaillent, ils travaillent 35 heures par semaine et ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Ce n'est pas tous vos électeurs. Mais, mais qu'importe, ce n'est pas une question de savoir s'ils ont voté pour moi ou un autre. Mmh. La question, c'est que les gens que je rencontre dans ma circonscription et ailleurs, en France, disent on travaille, on n'arrive pas à boucler les fins de mois. Ou, on a travaillé 40 ans, 42 ans et on voit notre pension baisser. Vous l'aviez vu venir cette, cette révolte-là ah, Ça fait longtemps des ça fait un moment qu'on alerte le président de la République, ouais. le Premier ministre. Et ça, vous pouvez relire toutes les interventions qui ont pu être faites à l'Assemblée nationale ou dans des meetings mmh. pour dire c'est le président des riches. Il a fait le choix de euh, cajoler une classe, celle des riches de cajoler la finance, de cajoler les banquiers, de cajoler les multinationales, il leur a fait plein de cadeaux. Moi j'ai refait le décompte, c'est près de 10 milliards d'euros en 2018 de cadeaux fiscaux. Et par contre aux autres, c'est un cran de plus à la ceinture. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous demandez précisément Qu'est-ce que vous demandez Augmenter ça porte principalement sur le pouvoir d'achat. D'abord le pouvoir d'achat, augmenter le SMIC 200 euros net, augmenter les salaires dans le public dans le privé, augmenter les pensions attendez, des retraités, restaurer des services ouais. publics, annuler les taxes sur l'essence, voilà les principales mesures Alors, sur lesquelles tout le monde Fabien est d'accord qu'ils aient un gilet jaune ou pas. Je me fais l'avocat du diable. Un, dans le privé, ça ne dépend pas de l'État. L'augmentation du SMIC, c'est l'État qui le décide le Ça, 1er oui. janvier. Il peut reste. décider d'augmenter le SMIC de 200 Tous euros. Tous les gilets jaunes ne sont pas au SMIC. Vous voyez, il y a des infirmières, ouverture il y a des, des négociations. C'est l'État qui peut convoquer le, un Grenelle un social. Et de, demander un Grenelle social. Oui, oui. Et l'État, c'est l'État qui peut demander aux partenaires sociaux de se mettre autour de la table pour euh, organiser une augmentation Ce générale qui est fait des après salaires. en 68, en fait. Exactement. En 68, il y a les étudiants. Qui manifestent ah ouais. avec des violences. Eux, c'était pas pour le avec, du pouvoir d'achat. Exactement. Hein. Avec des violences terribles dans la capitale, mm -hmm. mais en même temps, le Parti communiste, les syndicats, la CGT, un peu à la remorque. Les, -le. syndicats, les syndicats ont appelé à manifester. C'est quand le 13 mai, il y a une manifestation à avec les organisations syndicales et qu'il y a des grèves dans tout le pays. 10 millions de grévistes en 68 et le SMIC augmente de 36 à cette époque-là. Deuxième argument de l'avocat du diable. Avec quel argent vous faites ça il y a ben, plus d'argent D'abord, c'est ce que je vais expliquer au Premier ministre, mais il le sait, je l'ai ai dit déjà quand on s'est vu lundi, ouais. l'année 2019, c'est l'année où on peut augmenter les salaires. Les Pourquoi entreprises vont bénéficier d'une double ration du CICE, le Crédit Impôt Compétitivité-Emploi, ouais. 40 milliards d'euros distribués sans rien demander aux entreprises et à toutes les entreprises, y compris celles qui n'en ont pas besoin. Les banques, les compagnies d'assurance, les multinationales qui distribuent des dividendes. Nous proposons. Le CICE profite euh, utilement aux petites entreprises. Ouais. Si peu. Si peu. Une PME va toucher 2-3 000 euros. Quand une banque comme la BNP va toucher 60 millions d'euros, ce n'est pas normal. Mmh. Il faut au contraire euh, euh, donner des critères bien précis pour que cet argent public soit distribué aux PME, aux commerçants, aux artisans qui en ont besoin pour accompagner la hausse des salaires. Et ça, c'est possible. Ce Grenelle du pouvoir d'achat, ce Grenelle social que vous réclamez, est-ce qu'il doit envisager un Big Bang fiscal par exemple ah ben oui, bien sûr. Oui. Les Français ne disent pas qu'ils ne veulent plus payer d'impôts. Ils savent oui. bien que oui. l'impôt, c'est ce qui finance les crèches, les hôpitaux, les routes, la police. Mais vous savez, ce n'est pas les impôts qui augmentent le plus. Non, en mais ils demandent juste que c'est surtout le monde, les prestations sociales. Mais il faut que il tout le monde paye. Des impôts justes, proportionnellement à ses ressources. La suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est un scandale. Ça, ça collera Vous réclamez les... son ah bah oui. Ah bah oui. Enfin, vous vous rendez compte que 358 000 familles ont eu un cadeau de 3 ,5 milliards le, Les, les 0,1% les plus riches de notre pays. On gagnait 86 000 euros de plus et pendant ce temps-là, le SMIC reste à 1048 euros. Il mmh. y a des ouvriers, des infirmières, euh, des policiers qui travaillent pour pot de balle. Mmh. C'est pas possible. Motion de censure, c'est une euh, hypothèse que vous avez évoquée, les si, premiers. Si au a, Parti communiste. est-ce que vous maintenez cette idée? Si il n'y a rien de neuf dans l'escarcelle du Premier ministre cet après-midi... Ça lui tombe dessus. Ça, Alors, ça clair. lui tombe dessus, mais avec qui Parce qu'il y a la France Insoumise eh bien, nous, qui. Euh, nous sommes en contact qui marche avec ensemble vous, le PS. avec euh, Olivier Faure, euh, avec Jean-Luc Mélenchon, moi-même, André Chassaigne. Nous discutons ensemble et nous sommes tombés d'accord pour que ce soir, s'il n'y a rien de neuf dans les annonces du Premier ministre, nous mettrons en cause la responsabilité du gouvernement. Il faut que les Gilets jaunes. Elle n'a aucune chance de. de, de, de mais, mais il faut que les Gilets suite, jaunes sachent. Les gilets jaunes, les lycéens, les étudiants, les syndicats, sachent qu'à l'intérieur de l'Assemblée nationale, les députés ne sont pas tous pareils, ne sont pas tous de la même couleur. Et nous allons relayer leur combat à l'intérieur de l'Assemblée nationale pour demander une hausse du pouvoir d'achat et une meilleure répartition des richesses. Les lycéens, en il l faut qu'ils sachent qu'on se bat. Nous aussi à l'intérieur, c'est pas une question de pouvoir d'achat, les lycéens, voyons. Mais les lycéens, ils sont en train de se mettre en colère aujourd'hui parce qu'ils se rendent compte des effets de parcours sub parce qu'ils viennent déjà de faire une rentrée comme ça avec une paire qui sont restés sur le carreau. Et les étudiants sont en train de se rendre Qu'avec les augmentations des frais d'inscription pour les étudiants étrangers, c'est que mmh. si ça passe pour les étudiants étrangers, les prochains qui passent, c'est eux. Et donc ils sont en train de, de se mobiliser parce que chez eux, ça ne va pas. Mmh. Enfin, ça fait des. La colère, elle n'est pas nouvelle. Mmh. Ça fait des mois, des années que les gens n'en peuvent plus et qu'ils ont le sentiment de ne pas être écoutés. La question du respect. L'attitude du président de la République a beaucoup méprisante. pesé dans cette méprisante. Et pas révolte. seulement les gilets jaunes ou les étudiants ou les retraités, mais demandez aux élus locaux, aux maires des communes qui n'en peuvent plus aujourd'hui et qui disent on ne nous écoute pas, on nous supprime des moyens et les gens nous demandent plus. Comment fait-on Si vous n'obtenez pas satisfaction avec le premier ministre cet après-midi, vous demandez sa démission. Enfin bon, motion de censure. C'est d'abord la motion de censure. Mais vous souhaitez ça sa, sa C'est d'abord la motion de censure, mais je pense qu'on a intérêt à reposer la question d'une sixième fois faut, faut un nouveau. Attendez, avant de ça, euh, faut un nouveau gouvernement, déjà, en attendant Il faut un gouvernement qui n'écoute pas que de l'oreille droite. Qui ouvre les deux et qui réponde. Démission et donc, du, pré du président de la République Mais ben ça, c'est lui qui. C'est est, est, est pas moi Référendum qui vais un ça sur les de, problèmes démission. écologiques. Non. La question, vous de, la question d'une démission, de nouvelles élections, de référendum, pour ma part, mmh. c'est pas la priorité. La priorité, c'est que les salaires augmentent, les pensions augmentent. Okay. Non, mais c'est ça la priorité. Et vous demandez Donc, on quand même. On peut organiser des élections, mais des élections, c'est dans six mois, c'est dans un an. Les gens, c'est aujourd'hui qu'ils demandent à pouvoir travailler et vivre dignement. Donc c'est à ça qu'il faudrait vous demander priorité. Euh, après, concomitamment, après je, une non, réforme des institutions. Et je vais aussi vous répondre franchement. S'il faut aller retourner aux urnes. J'ai pas peur de retourner aux urnes. Je sais de qui je suis élu, moi, dans ma circonscription du Valenciennois, terre ouvrière, terre de travail. J'ai mmh. pas été élu par le CAC 40, moi. donc a... j'aurais pas de mal à retourner aux urnes. Il y a donc, une pas de, de, de d'avantage de démocratie participative, comme on dit aujourd'hui. Nous sommes dans un régime quasi monarchique, ouais. je le pense. Ouais. Et il y a un problème de ce côté-là. D'ailleurs, ça fait partie des, des propositions des Gilets jaunes, mais d'autres aussi. Que le Parti communiste a mis sur la table aussi, c'est de découpler l'élection présidentielle avec l'élection législative. Ouais. Il faut garder l'élection présidentielle. Vous dites monarchique. Non. Nous non. Nous nous proposons que le président ait beaucoup moins de pouvoir dire qu'on revienne pouvoir. à un système de quatrième et qu'il soit désigné parmi les parlementaires ouais. et qu'il fasse la représentation à l'étranger et que ce soit la, les élus du peuple, les parlementaires qui dirigent et, et le gouvernement, un retour à la le quatrième Premier République ministre, que vous demandez. Ouais, mais qu'on a besoin de dépoussiérer aussi parce que c'est pas que ça, c'est pas que la manière de désigner le président de la République. On a besoin d'avoir des élus. Qui est plus de, de, de proximité avec leurs concitoyens, qui est plus d'ouvriers, de, 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 de salariés, qui, soit, qui aient la possibilité d'être élus demain. Aujourd'hui, il n'y a même pas de statut pour ça. Enfin, le statut de l'élu n'existe pas. À la proportionnelle Oui, la proportionnelle. Euh, euh, Vous êtes d'accord avec toutes moi, les. Moi, je préfère, je préfère des élus, élus des élus, des députés. Oui. élu par les gens sur oui. le terrain et que les gens connaissent, qu'ils peuvent toucher, engueuler, euh, rencontrer, euh, plutôt que des listes où euh, si la tête de liste parle bien, il y en a toute une enfilade derrière qui sont élus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas. Euh, est, Alors, je préfère euh, qu'il euh, faut mitiger ça. Voilà. Je, je disais que vous étiez donc le nouveau secrétaire national du Parti communiste. Est-ce que euh, vous marchez main dans la main maintenant avec la France insoumise on travaille ensemble. Pierre-Laurent avait beaucoup de difficultés hein, on, avec, euh, avec euh, Jean-Luc Mélenchon. Disons qu'on tape sur le même clou. Oui. On n'a pas forcément le même marteau, oui. mais on, on travaille dans la même direction. Après, euh, euh, on a des, 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 des stratégies différentes oui. euh, sur la manière de, de nous rassembler. Mm -hmm. euh, bon, donc Pourquoi ça, ce sont des débats que nous avons tous. Vous trouvez toujours, que vous mais trouvez parce qu 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 nous ne sommes pas pareils Il est trop médiatique, trop spectaculaire. Ah non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Non, non. Non, c'est parce que euh, Jean-Luc lui considère que la gauche s'est cuit et que on n'y croit plus. Pour ma part, je pense que les valeurs de gauche, les valeurs humanistes, le partage des richesses. Ces valeurs-là, elles existent encore et que personne ne gagnera tout seul. Et qu'on peut se retrouver pour gagner ensemble avec euh, les, les camarades de la France insoumise, mais avec d'autres, avec les Verts, avec les, les socialistes qui aujourd'hui se rendent compte qu'ils ont fauté sous le précédent euh, gouvernement. Le clivage euh, gauche-droite perdure, d'après vous, ou c'est plutôt un clivage aujourd'hui entre riches et plus modestes Ah non, le cliv... bah, pour moi, je, je, je crois encore au clivage gauche droite, je considère que la politique qui est menée aujourd'hui est une politique très libérale, de droite, euh, avec tendance même à appuyer sur l'accélérateur, et qu'il y a besoin de retrouver les valeurs euh, sincères d'une gauche authentique, euh, crédible, qui défendent le partage des richesses, qui défendent la majorité des Français, ceux qui travaillent, ceux qui ont travaillé, qui défendent les services publics. Mmh. Ça, ce sont euh, les valeurs humanistes, euh, les valeurs républicaines de la gauche. On est avec Fabien Roussel et on continue avec vos questions, chers internautes, et Julie Coulon, profisi, qui nous a rejoint dans le studio. Bonjour Julie. Bonjour Yves. Bonjour, Bonjour. Fabien Roussel. Alors, on a une première, euh, on a pas mal de réflexions qui sont faites sur le pacte de migration qui va être signé euh, à Marrakech le 10 décembre prochain. C'est -ce que... le pacte euh, qui a été signé par, euh, dans le cadre de l'ONU, hein. Exactement, dans le cadre de l'ONU. Qu'est-ce que vous en pensez, vous je pense qu'on ne peut pas euh, échapper à la question migratoire des réfugiés dans le monde. il n'y a jamais eu autant de guerres, jamais eu de pays en difficulté et des familles qui fuient ces guerres, ces famines, ces difficultés. Donc euh, il y a besoin de tenir les deux bouts euh, permettre à ce que ces pays, ces, ces, ces populations, ces familles puissent vivre dignement. Dans leur pays, personne ne fuit son pays avec plaisir. Et de l'autre côté, dans l'attente, créer les conditions de l'accueil digne de ces familles, de ces femmes, de ces enfants qui fuient leur pays. On entend la France assoumise souvent qu'il euh, faut davantage contrôler l'immigration parce que les migrants qui arrivent sur notre territoire eh bien, prennent le travail des Français et que eh bien, ça a un, un impact sur les salaires. – Je crois que vous déformez un petit peu leur propos, euh, ce n'est pas en tout cas ce que j'ai entendu de leur part, ouais. et euh, je pense qu'effectivement, en tout cas, euh, la, 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 les, 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 les populations qui, euh, qui viennent travailler, qui viennent s'installer en France, peuvent être des, utilisées, euh, par euh, une partie de la classe économique pour tirer les salaires par le bas. Oui, c'est ce, ce que dit la France insoumise. C'est un problème, mais ce n'est pas que ça, la question des, des salaires. Ils vont mettre en concurrence les peuples, que ce soit euh, le, le, les Polonais, euh, les Roumains, euh, les Bulgares, ils nous mettent en concurrence. Et c'est en jouant à cette concurrence, et y compris donc maintenant avec des populations immigrées, ils vont tous nous mettre en concurrence pour demander aux ouvriers français de travailler pour moins cher. C'est insupportable. Il faut arrêter avec les Alors, ça veut détachés. Pas dire, il faut et, revoir le, Ah, la... mais les travailleurs détachés, ça, c'est une directive qu'il faut. – Abolir, abolir, que l'on puisse travailler au sein de l'Union Européenne dans un pays et dans un, ou dans un autre, mais avec les, les droits conditions. de ce pays, avec les charges de ce pays et les conditions de ce ah bah oui, Sinon, sinon c'est de la concurrence déloyale, c'est insupportable. – Alors on a une question de Gilles qui, de, qui se demande si selon vous les Gilets jaunes est une révolte du prolétariat. – C'est la révolte de la dignité, c'est la révolte de ceux qui veulent vivre dignement. Voilà, c'est une révolte de Français dans leur grande diversité, avec tout ce que ça porte en termes de colère, mais aussi d'espoir, mais aussi avec des excès, des contradictions. Il ne faut pas avoir peur du peuple, il ne faut pas avoir peur de ça. – Il y a ça. des excès, vous voulez dénoncer ces excès ah ?– bah, Bien sûr, on les a vus euh, euh, sur ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées. – C'était euh, des violences souvent commises par des gilets jaunes. – Insupportables, hein. inacceptables et dénoncées par les gilets jaunes eux-mêmes. – Pas tous. – Pas tous, mais ces violences sont inexcusables, in ah ben, j'appelle à des manifestations, j'appelle à ce que la mobilisation perdure, s'amplifie si le gouvernement n'apporte pas des réponses, et que ces mobilisations soient pacifiques, sereines, calmes. – D'accord. – Alors beaucoup d'internautes sur le chat du Figaro euh, disent que le Parti communiste est un parti dépassé, d'un autre temps, euh, qu'est-ce que vous pouvez leur répondre euh, bah écoutez, moi je me sens pas d'un autre temps et dépassé. Je suis un communiste du 21 e siècle. Vous avez une volonté de réforme est, du parti Qui est grandi euh, en France, qui est milité après la chute du mur de Berlin, euh, euh, issu d'une circonscription ouvrière et je suis euh, élu par justement un monde du travail qui travaille encore dans des usines parce qu'il y en a encore des usines dans notre pays qui ont subi les délocalisations. Moi je suis issu de ce parti-là. Celui du monde du travail et je me suis engagé pour lutter contre l'apartheid, l'apartheid que personne ne dénonçait à l'époque, l'apartheid dans l'Afrique du Sud. Je, ah oui. Moi, non, je non, me mais, suis battu mais, mais ça, pour le passé. la vie. Ah non, ah oui, mais c'est le passé. Sauf que quand moi, je me suis engagé pour la libération de Nelson Mandela, mmh. nous étions ultra-minoritaires, traités mmh. de terroristes. Quand Nelson Mandela est mort, tout le monde est allé pleurer sur sa tombe, y mmh. compris ceux qui, à l'époque, euh, pactisaient avec euh, l'apartheid. Avez... Alors, ce parti communiste-là... Euh, révolutionnaire dans les idées, y compris à l'époque où on se battait contre la partie de l'Afrique du Sud, j'en suis. Est-ce que vous avez l'ambition de changer le fonctionnement de l'appareil du Parti communiste ben, Je ne vois pas en quoi. Il non ben, ben, On est un parti avec euh, 49 000 militants euh, qui payent leurs cotisations, un réseau d'élus locaux dans les mairies, mmh. dans les villages, 7 000 élus locaux qui se battent au quotidien, qui donnent beaucoup de leur temps. Euh, voilà. Tout va bien. D'accord. Alors, on parle beaucoup de, donc, des gilets jaunes, de, la, de cette révolte-là, mais il y a aussi les, les étudiants qui commencent à, à bloquer les universités, notamment à Tolbiac, à Sancier, euh, pour lutter contre la hausse des frais d'inscription à la fac pour les jeunes venus de pays extérieurs à l'Union européenne. Est-ce que c'est une cause que vous soutenez Oui. Oui, 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 parce que, en fait, ce que nous disent. Les étudiants qui sont aujourd'hui en train de s'organiser contre cela, c'est que en fait, ils voient le coup arriver et ils disent mais si euh, on augmente les frais d'inscription pour ces étudiants étrangers qui viennent étudier en France, mais euh, c'est un mauvais signe pour la suite, ça veut dire que les autres qui vont y passer c'est nous. Et donc euh, on doit conserver le principe euh, d'une scolarité euh, gratuite normalement, euh, la plus accessible pour tous et, et voilà et c'est pas le cas, c'est loin d'être le cas aujourd'hui. Alors, euh, donc le BS veut se joindre à vous pour la motion de censure destinée à protester contre la gestion de crise des Gilets jaunes pour le gouvernement. Est-ce qu'on peut parler d'une union des gauches de Est-ce qu'elle est encore possible, cette union des gauches Bien, bah, Écoutez, moi je pense que si on est d'accord sur le fond, mm -hmm. si on est d'accord pour dire euh, notre ennemi c'est la finance, mais mm -hmm. pour du vrai, mm -hmm. et on va s'y attaquer vraiment, et avec des mesures concrètes, avec. Hausse du SMIC, hausse des salaires, hausse des pensions, restauration des services publics, des moyens à nos collectivités, nos communes, etc. Ben, Rassemblons-nous. Hein. On peut créer un rapport de force euh, différent et demain répondre enfin, enfin aux demandes des Français. Vous y, trava Vous y travaillez dans la perspective des élections européennes ouais, de, euh, Est-ce qu'on est peut imaginer qu'il y ait une liste commune les, les élections européennes, c'est un sujet qui est très, euh, très fort. Parce que, euh, en fait, les, 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 les souffrances des Français au, aujourd'hui sont pour beaucoup issues des traités économiques européens, mmh. qui ont bridé les budgets des États, qui nous ont forcés à vendre nos services publics, du patrimoine. Et donc, nous, communistes, depuis toujours, avec constance, nous avons dénoncé ces traités. Nous avons appelé à voter contre le traité constitutionnel en 2005. Référendum gagné par les Français, mais ce qui avait été jeté par la porte est rentré par la fenêtre. Nous nous sommes toujours élevés contre ces, ces traités économiques européens pour construire une Europe des peuples, des coopérations. Eh bien, cette ligne originale qui est la nôtre à gauche, nous allons la défendre avec Yann Brossac comme tête de liste. D'accord. Mais est-ce que vous pouvez faire cause commune avec euh, la France insoumise, par exemple ah – bah euh, en... enfin, Ce n'est pas le cas actuellement. – hein. Encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, tout ça, ça dépend aussi de l'attitude de la France insoumise, de sa volonté d'ouvrir les bras ou de les garder croisés. Ça, n'est pas moi qui les tiens, ces bras, Jean-Luc. – Voilà, c'était les réponses à nos questions, à vos questions aussi, chers internautes de Fabien Roussel. Merci à Julie Coulon-Profizy de s'être fait votre interprète et puis à demain pour de nouvelles aventures.